no parking, no business, on le sait depuis longtemps. Mais surtout, on a un développement des activités et il ne faut pas que les prix des parkings soient un frein à cette activité à la fois ludique, touristique, culturelle, sportive et commerciale. Il faut que les gens puissent avoir 2 heures devant eux, gratuits, pour pouvoir visiter ces expositions, ces manifestations, et puis faire leur emplette autour sans qu'ils soient pénalisés financièrement. Je veux que le commerce de proximité continue à se développer. Pour qu'il se développe, il ne faut pas qu'il y ait la totale gratuité parce que c'est des voitures qui ne bougent plus. Et la voiture qui ne bouge plus, il n'y a rien de pire pour une activité commerciale ou une activité touristique. Et donc, moi, je souhaite qu'effectivement, tout le monde puisse venir en centre-ville. Si on doit concurrencer quelqu'un, ou un système, c'est le système des grandes surfaces périphériques, dans lequel le parking est gratuit.